Alors, leçon petit 15. Enfin, leçon 15. Donc, pas beaucoup de vocabulaire là. Mais ce sera des verbes. Après, il y aura les professions. Et explication grammaticale. Ce sera. Encore des formes de phrases. Surtout avec les verbes. Normalement. Yes. Et d'ailleurs, oui, donc hier, je me suis aperçu que. Oh là là, il manquait un bouquin. Le bouquin principal. Il est commandé. Il devrait arriver pour mercredi prochain. Donc en fait, pile pendant. La petite période où je ne serai pas présent. Donc au moins, dès que reçu, on pourra... On reprendre sur de bonnes bases. Même si, comme j'ai dit, on risque de finir au moins... De toute façon, on est à la leçon 15, il reste... ça va jusqu'à la leçon 25. À 10 leçons, 10 jours. Donc ouais, pourquoi pas. Et après, peut-être revoir avec l'ancien. De toute façon, comme ça, j'aurai le temps de le feuilleter. Voilà. Enfin, commençons. Petit vocabulaire. Okimas. Poser. Je fasse attention. Oh là là. 1, 2. Okimas, posé. Tsukurimas, faire, fabriquer, construire. Ah, c'est la première fois que je vois lui. Et après, toujours se rappeler par rapport à la leçon d'hier, les groupes hein, de verbes. Parce qu'il y a encore les bails de groupe. Et normalement, tu peux l'écrire aussi comme ça. Attends, on va vers slash. Essayons de ne pas écrire trop gros. Tsuku. Tsuku. Tsuku Limas. Faire, fabriquer, construire. Donc celui-là, je pense, c'est plus pour faire... avec ce kanji, et lui ce sera peut-être plus fabriquer et construire. Après, d'où comment l'utiliser. Voilà. Des fois. Urimas. Vendre. Pourquoi mon M à chaque fois je le mets en bas, JPP. Ou les masses, vendre. Shilimas, apprendre, faire connaissance.
façon, on voit que là il y a une diff. Chilimas. Apprendre, faire connaissance. Sumimas. S'installer, établir son domicile. Sumimas. S'installer, établir son domicile. Et dernier verbe, normalement, ouais. Normalement, c'est Ken Kyushimas. Faire de la recherche. C'est pour ça que je dis des fois, je sais pas trop exactement, par exemple faire de la recherche, mais plus porté en termes scientifiques, enfin en tant que chercheur, voyez, ou faire tu vois, de la recherche, mais en mode je vais, je sais pas, est-ce que tu vas l'utiliser quand tu vas faire de la recherche pour un exposé, tu vois. Ce qui est un peu, je peux dire, différent. Donc, Ken Kyushimas. Après, normalement, si c'est faire de la recherche, c'est plus by ce chercheur. Est-ce qu'on dirait plus faire des recherches? Ouais. Autre que des verbes. Chilio. Chilio. Document donné. Ouais. Chilio. Document donné. Catalogo. Catalogue. Katakana. Catalogue. Jikoku Hyo. Horaire. Donc celui-là, on a dû le voir grâce à l'explication, enfin au bail vocabulaire par rapport à la gare. Si je l'avais mis en kanji ou pas. Ah. Ah.
pas sûr. Oui, lui, c'est tac, tac. Tac, et tac. Jikoku. Yo. Je dirais que c'est comme ça. Horaire. Peu embêtant. Le beaucoup vêtements. Sei Fin produit. Ok, le Sei il est vénère. On va peut-être le kanji du Sei bah là, quoi. Seihin produit. Sofuto logiciel. Ouais, soft. Sofuto logiciel. Denshi ji sho dictionnaire électronique. Jamais, mais voilà, ça, ça touche, tac. Oh, je suis complètement mal fait. Pas grave. Denshi ji sho. Oui, ça devrait être ça. Denshi ji sho. Dictionnaire électronique. Keizai. Économie. Zai économie. La mairie Shiyakusho.
Shiyakusho. Une mairie. Un lycée, c'est Koko. Coco. Dentiste ou chez le dentiste. Haï chat. Un kanji un peu relou. Celui-là, on risque de le revoir parce que après c'est les professions, donc voilà. Dentiste, chez le dentiste. Truc qui a rien à voir, célibataire. Dokushin. Ah, c'est pas. Un peu plus loin et là ouais Dokushin célibataire Sumimasen excusez-moi bon, celui-là il n'y a pas de kanji mais bon, on connaît. Alors là, c'est des petites phrases, des petits mots, voilà. Mesdames, messieurs, tout le monde. Minasan. Se rappeler, se souvenir de. Omoi da shimasu. Être forme de respect de imasu. Irashaimasu. Après un petit nom d'un quartier commerçant à Osaka, c'est le Nippon Bashi. Là on va pouvoir passer aux professions. On a 25. Hein ? Ça devrait aller assez vite. Bon, normalement, il y a des petits dessins rigolos, mais. C'est. Voilà quoi. Alors, vocabulaire de référence et information. Comme d'hab, profession c'est Shokugyo. Shokugyo. Georges, je saurais arriver à m'exprimer correctement. Un peu plus long.
Ah ouais, non, c'est tac, tac, tac. Tac, tac. À peu près. Puis, tac. Voilà. Shoku Gyo. Profession. Voilà. Alors. Il y en a, hein, je vais. Ouais, il y en a les kanji, ça devrait le faire. Il y a d'autres. Alors, employé d'une entreprise Kaishain, ça on l'avait déjà. D'ailleurs, c'est peut-être pas aussi. Kaishain. Employé d'une entreprise. Donc il y aura beaucoup le in, donc ce kanji là. Comme pour fonctionnaire, komuin. Il y a lui, hein. Ouh, ok. Tac, tac. À chaque fois. Komuin, fonctionnaire, employé de gare. Et qui in? Mais c'est vrai que là, et qui et Keen, employé de gare, employé de banque, Ginko In. J'ai oublié lui. Ah, peut-être pas autant. Voilà. Tac. Touk. 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 Voilà. Ginko In, employé de banque.
Ouais, ça vibrote un petit peu. Déjà. Bizarre. Ensuite, le postier. You bin kyoku in. You bin kyoku, c'est la poste. Bin kyoku in postier. Il est un peu bizarre mon bin. You bin. Kyo. In postier. Un vendeur. Ten in. Oups, j'ai oublié lui. Ça va lui, il est gentil. Ten in, un vendeur. Un cuisinier. Chorishi. Et celui-là, là, ça dépasse. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Chorishi. Cuisinier. Poulo. Qu'est-ce que... Chorishi. Cuisinier. Lui est Ryoshi, coiffeur pour les hommes, barbier par exemple, et Byoshi, coiffeur, coiffeuse. Okay, je suis en train de voir, ouais, bon. Ryoshi, c'est un coiffeur pour les hommes, un barbier aussi. Ou coiffeur, coiffeuse, c'est Byoshi. Voilà. Un enseignant, c'est Kyoshi. Et c'est pas sensei, c'est plus professeur. Voilà. Ah non, c'est non. Kyoshi.
Ouais. Et le chier, c'est le même que celui de Choli Shi. Ainsi que Lyoshi, c'est le même kanji. Ainsi que Biyoshi. Par contre, par exemple, avocat, c'est Bengoshi. Le shi n'est pas le même. Je vais le mettre en kanji, évidemment. Un avocat, un Bengoshi. Si vous faites judgment ou la judgment, on l'entend souvent. Wouah! Une clone loop. Ah non, mais c'est collé en plus. Enfin, plus ou moins. Ça touche. Ensuite, un trait comme ça. Après, ça fait ça. 1, 2. Celui-là ici. Tac, tac, tac. Et le chi, il est tranquille. Le refaire parce que normalement c'est plus grand ici. Et plus grand en haut. Ouais. J'aime bien le Ben, mais le Go, secours. Ben Goshi. Le Go, c'est tout ça. Hein. Voilà. Ouais. Un chercheur, c'est Ken Kyusha. Après, on changera de page parce qu'il y aura plus assez. Ah oui. 8. Kenkyusha. Kenkyusha chercheur. On est bientôt à la moitié. Hein. Un médecin, Isha, infirmier, Kangoshi. Et il y a une différence entre infirmière qui est. Normalement, je dois l'avoir. Infirmier, c'est Kangoshi. Infirmière, c'est Kangofu.
Après, je sais pas du tout si c'est le même kanji. Voilà. Mais d'abord, le médecin qui est le chat. Chat médecin. Oh, il y a le go. Nick, je vais pas le faire. C'est le go de Bengo, chien d'avocat, donc. Envie juste de canner. Donc, attends, comment on peut... je vais mettre entre parenthèses. On va mettre en violet. Chi, c'est infirmier. Ou... Oups, c'est infirmière. Ah. Après, normalement, le chi, c'est le kanji du chi, par exemple, de cuisinier, qui est chori chi. Pour le fou, je sais pas si... on dit fou pour... Kango chi, ou kango fou. Un chauffeur de taxi aussi peut-être. Ouais. C'est un ten chou. C'est le dernier kanji on connaît, c'est celui de la main. Et même dans les deux autres kanji, on voit le kanji de Kuruma. La voiture. Enfin, un véhicule. Oui. Donc, un ten shu, chauffeur. Un agent de police, Kei Satsukan. Ils sont vénères. Satsukan. Un agent de police, un diplomate, c'est Gai Koukan. Vous avez en plus donc là, j'ai mal fait mais bon. Tac 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 tac. Non plus long en fait. En réalité tac tac tac. Voilà.
Donc le Khan qui est là de Guy Kokan, aussi le Khan de du policier qui est là. C'est le même kanji. En fait, lui, j'aurais pu le faire, mais c'est le reste hein, qui est le Kai Setsu. Guy Kokan, un diplomate. Un homme politique. C'est Seijika. L'aile. Vous direz pourquoi le petit lait là après, mais je pense que vous allez bien rigoler aussi si c'est bien ce que je m'en rappelle. Tac. Deux. Ouais, un peu bizarre. Seijika, un homme politique. Je vérifie, mon gars. Ah non, ouais. Non, non, ok, je me suis trompé. Que celui-là, là, pas l'ensemble, mais celui de gauche, c'est Kanji de la positivité. Ah, est-ce que de la vue. En fait, quand je l'ai vu, je crois que c'est. Je sais plus si c'est aussi. Je fais, mais attends, mais c'est pas le Kanji de la vérité, ça? Ouais, homme politique, vérité, voilà. Et la positivité, je sais plus si c'est employé pour dire des choses vraies. Non, c'est vraiment. Ouais, c'est. Plus positif quoi. Quoi, faut voir l'autre qui est associé exactement, c'est le kanji de quoi. Ça c'était homme politique peintre, c'est Gaka. Ouais, je l'aime pas celui-là, mais vraiment. Je l'aime pas du tout l'écrire. Peintre. Gaka. Parce que en gros, vous voyez là. Là, celui-là. Et celui-là. En gros, ça fait plus en mode tac. Il y en a un qui part comme ça. Sauf c'est pas le prolongement, ça bouge un peu. En fait, ce serait plus en mode tac. Et après tac. Voilà.
Et bon, au secours. Un écrivain. Saka. Bon, je vais pas le refaire. Hein. Il m'a saoulé. Peut-être l'éloigner un petit peu. Oui. C'est le cas qui le cas relou. Saka. Écrivain. Musicien. Ngaku K. Ngaku, c'est musique. Lui, c'est le kanji de la. Du son. Et en fait, lui, c'est plus tac tac, voilà. K. Là. Ngaku K, musicien. Un architecte, c'est Ken Chikuka. Mais j'aurais jamais la place pour quoi? Et surtout si je le fais à 50 milliards de kilomètres. Ce fameux kanji là, tac tac tac, je crois qu'il change un petit peu parce qu'il n'y avait pas ça avant. Et le cas, voilà. Ken Chiku K, un architecte. Ah, cela c'est un peu plus tranquille, c'est N-G-N-I-A. N-G-N-I-A. Un ingénieur. N-G-N-I-A. Un ingénieur. Un designer, dessinateur, styliste. Designa. Un designer, dessinateur, styliste. Un journaliste. Janari Suto. Chanteur, acteur, actrice. C'est le chanteur, c'est
Cachou. Chou, chanteur et acteur actrice, c'est Hayu. Oh là là, le You, il est. Tac, 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 tac. 1, 2, je crois. Suite à ça. Crata de Kanji du cœur du Kokoro. Tac, tac. Tac, 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 ouais, plus petit normalement. Tac, 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 tout. Un peu galère. Hayu. Acteur, actrice. Il y a un sportif Supo Tsu. Sen Shu. J'aurais pas la place, donc je vais l'écrire. Voilà. Po Tsu. Sen Shu. Sen Shu, normalement est en kanji, j'aurais pas la place. Voilà. Ça fait beaucoup. Pas mal de professions. Qu'on peut retrouver, donc il n'y a pas tout évidemment, mais ça fait déjà un bon petit paquet. Et maintenant, it's time to explication grammaticale. Alors. Donc, grand 1, V, verbe, T, la forme T, qu'on avait vu un peu hier, à la leçon d'avant, la T forme, mot, I desca. Puis-je? C'est une expression pour donner la permission. Exemple. Shashin o totemo ideska. Puis-je prendre des photos? Les façons de répondre à la question de permission sont les suivantes. Dans le cas de non-permission, on utilise dans la réponse
soit un euphémisme, on verra ensuite, soit une interdiction, qu'on verra dans les autres exemples qui vont suivre après. Dans les deux cas, on peut émettre une raison. Voilà. Donc là, le 2, donc, on utilise dans la réponse soit un euphémisme. Donc la question c'est Kokode naba tabac Kokode tabako ou sutemo ideska, puis-je fumer ici? Donc première réponse, oui vous pouvez fumer ici. T'es pas obligé de répéter le fumer ici, donc si tu répètes pas ça fait e idesyo. Ou et sutemo idesyo. Voilà. Soit oui vous pouvez ou oui vous pouvez fumer ici. Donc là, si tu utilises la réponse avec un euphémisme, c'est donc plus négatif. Sumimasen choto. No doga itai des kara. Je suis désolé, mais je ne préfère pas. J'ai mal à la gorge. Donc, comme d'hab, le kara, on verra dans une leçon qui. La leçon 17. Et. La leçon 16. Donc là, sumimasen, chotto, anodok ga itai desu kara. Je suis désolé, mais je ne préfère pas, j'ai mal à la gorge. Donc là, ça va être plus en mode une. Ça, donc là, c'était plus en mode euphémisme. Là, dans l'autre. L'exemple, ça va être une interdiction. Donc, on reprend. Koko de tabako o sutemo ideska. Puis je fais mes ici. Toujours pareil. Et idesyo. Oui, vous pouvez. Ou, donc là, une interdiction, c'est. Ie ikemasen. Kin en deskala. Non, vous ne pouvez pas. C'est interdit. Voilà. Bien sûr, on peut aussi rajouter le fumer ici. Donc, yé. Sote wa ikemasen. Kin hen desu kara. Non, vous ne pouvez pas fumer ici. C'est interdit. Donc, le verbe en forme T, si tu rajoutes mot et i deska, c'est puis-je. Donc en fait, tu pourrais dire l'amène au tabete. Mo, ideska. Puis je mangeais les ramen. Et toujours l'exemple les ramen et manger. Mais bon. Au moins c'est peut-être un peu plus tranquille que la fumée. Bon. Donc après oui non. Voilà. Deuxième point de grand 2 et le verbe des formes avec wa cette fois et ikemasen.
Donc, il ne faut pas. Donc, cette expression indique l'interdiction. Koko de tabako o sute wa ikemasen kinhen des kara. Donc ici, vous ne pouvez pas fumer. Il est interdit. C'est interdit. Un peu comme ce qu'on avait vu avec l'exemple d'avant. Cette expression ne peut être utilisée par quelqu'un de bas statut à l'égard de quelqu'un d'un statut supérieur. Donc attention, hein. Si c'est ton patron, tu fais pas ça. Ok ? Si le gars, il pèse, pas le droit. Un peu ça. Donc voilà, c'est vraiment pour indiquer une interdiction. Je la refais. Koko de tabako o sute wa ikemasen kinhen deskala. Ici, vous ne pouvez pas fumer. C'est interdit. Ou il est interdit de fumer. Voilà. Tout dépend de comment tu traduis le machin. Mais... Ok. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui a un statut supérieur à toi, je fais pas ça. Ce qui me fait poser la question, en fait, si t'es un étranger en Genjin, qu'est-ce que t'as le droit d'utiliser ? Comme j'ai dit, hein, au Japon, c'est beaucoup de par rapport au statut, de comment tu vas t'adresser, donc tu vas rajouter des trucs ou pas. Voilà. Grand 3. Verbe forme T. Encore. La T forme. Imas. Voilà. Y a pas, tu rajoutes rien ici, hein, comme les autres d'avant. Cette structure de phrase est utilisée en plus de l'emploi pour exprimer une action en cours. Donc c'est étudié dans la leçon 14, mais je crois que c'est dans le bouquin principal. Maintenant on sait. Donc cette structure de phrase est utilisée en plus de l'emploi pour exprimer une action en cours. Dans les cas suivants. Donc, il y a deux grands cas. Premier. Pour décrire un état, principalement avec les verbes utilisés dans la forme teimasu. Exemple. Watashi wa. Kekko shite imasu. Je suis marié. Watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Je connais monsieur Tanaka. Watashi wa kamera o motte imasu. J'ai un appareil photo. Watashi wa Osaka ni sunde imasu. J'habite à Osaka. Voilà. Donc, moi, ce serait Watashi wa Palace ni sunde imasu. J'habite à Paris. Ah. C'est dessus. On peut Watashi wa Dokushin Attends mais quand mais c'est pas un verbe
Cochinité. Non, c'est pas un verbe. Hein. Oh, j'allais dire je suis célibataire, mais. Donc là, en fait, ce serait plus en mode what. Ah, quoi que. Watashi wa. Après, marié, c'est pas vraiment un verbe. Watashi wa keko kekonshite. Si c'est oui non si c'est un verbe marié. Je me marie, tu te maries, nous marions. Oui, oui, c'est un verbe. Mais pour célibataire, c'est pas un verbe, donc. Ou même si tu veux dire, par exemple, coupe. Je suis en coupe. Voilà. Faudrait voir. Alors, note numéro 1. La forme négative de iteimasu. Donc, imas c'est shirimasen. Faites attention à ne pas employer shite imasen. Attention. Exemple shiyaku sho no den wa Bango o shite imasu ka. Connaissez-vous le numéro de téléphone de la mairie? Première réponse. Hai. Shite imasu. Oui, je le connais. Deuxième. Ie. Shirimasen. Non, je ne le connais pas. Voilà, c'est shirimasen. C'est pas shite imasen. Ouh, ce serait... Ça fait bizarre. Voilà. Note numéro 2. La phrase mote imasu peut vouloir dire soit avoir quelque chose en main à un moment donné ou soit le posséder. Ah, donc là, donc mote imasu, c'est par exemple watashi wa kamera o mote imasu. Soit en fait c'est je l'ai dans ma main, soit par exemple j'en ai un mais il est à la maison. C'est que t'as une caméra quoi. Enfin un appareil photo. Comme là, appareil photo, c'est pas. Voilà. Alors, après petit 2. Donc la forme VT forme imasu. Ça peut aussi, ça sert aussi pour décrire une habitude, une action répétée sur une longue période, une occupation ou un statut personnel, un hobby, tous les coups, un truc comme ça. Exemple, IMC wa kon pyuta sofuto o Tsukute imasu. IMC développe des logiciels informatiques. Donc IMC c'est juste le nom d'une entreprise. Pour ça, Apple wa computer software o Tsukute imasu. IMC développe des donc Apple développe des logiciels informatiques. C'est voilà. C'est une habitude, c'est une action. En fait, ce sera plus smartphone. Fabrique des téléphones, quoi. Voilà. Autre exemple. Supa de Nan. Oula. O. Ou Teimas. Les supermarchés vendent des nampla.
ou pas des bento ou teimas. Les supermarchés vendent des bento, les paniers repas. Voilà, ça. Autre exemple, Mila Sanwa IMCD Hatala Ite Imas. Monsieur Miller travaille à IMC. Autre exemple, Imoto wa Daigaku de Benkyo Shite Imas. Ma petite sœur étudie à l'université. Voilà. Alors, grand 4. C'est le nom ni verbe. Donc là, ça va changer un petit peu du de la T forme. Normalement, oui. Non ni et le verbe. La particule ni est utilisée avec des verbes tels que haïlimas, suwalimas, nolimas, nolimas qu'on verra par rapport c'est prendre, on verra à la leçon 16. T'as aussi nobolimas, qui lui c'est monté, et on verra la leçon 9, ainsi que tsukimas. C'est arrivé, et on verra la leçon 25. Donc voir la leçon, c'est peut-être de plus comme c'est des verbes, tu vois, prendre, monter, arriver, c'est peut-être assez spécifique. C'est comme les verbes de déplacement, vous voyez. Voilà. Donc la particule ni est utilisée avec des verbes tels que haïlimas, suwalimas, norimas, nobolimas, tsukimas, pour indiquer la position du sujet résultant de l'action exprimée par le verbe. Exemple, kokoni, hai, te wa, ikemasen. Vous ne pouvez pas entrer ici. Kokoni, suwatemo, ideska, puis-je m'asseoir ici? Ouais, on... Et troisième exemple, Kyoto Eki kara Juroku Ban no Busu ni note kudasai. Prenez le bus numéro 16 à partir de la gare de Kyoto. Et c'est à la leçon 16 aussi, ça. En fait, le nom, c'est plus le sujet, quoi. Kokoni. Et on l'avait vu un peu... Il est où? Non. Bon, il y a encore la V-forme, enfin la T-forme. Ok.
J'aime bien les verbes utilisés. Ah oui, c'est parce que, en gros, ouais, c'est ça. En gros, dans les exemples, là, c'est pas. En fait, c'est pas si bien dit. En fait, ce serait plus ni t. Voilà. En gros, ça ce serait peut-être plus comme ça. Parce que Coconi. Hi. Te wa ikemasen. Vous ne pouvez pas entrer ici. Mais en fait, c'est ce verbe-là. Mais en te forme. Dans l'exemple. Coconi. Tsuwa. Temo i deska, puis-je m'asseoir ici? Voilà, c'est pareil, c'est kokoni soa lima, donc c'est ce verbe là à la t forme. En vrai, il serait peut-être plus judicieux de l'exprimer comme ça, je dirais. Après, il est possible que ça se trouve, on verra plus tard, que ce soit vraiment soa limas. Nice Walimas. Je ne sais pas. Mais là, a priori, par rapport aux exemples, c'est plus comme ça. Yeah. Comme le troisième exemple, Kyoto Ekikala Juroku-ban no Busu ni Note kudasai. Voilà, c'est Nolimas à la T-forme. Alors, grand 5. Et le dernier, c'est non 1. Ni. Non 2. O. Et le verbe. Alors, la particule ni indique la position de nom 1 de nom 2, comme le lieu du résultat de l'action. Exemple, Kokoni kuruma o to mette kudasai. Arrêtez la voiture ici, s'il vous plaît. Là, autre exemple, et la particule ni dans cet exemple-là a la même fonction. Koko ni jusho o kaite kudasai. Écrivez votre adresse ici, s'il vous plaît. Et là, c'est souvent utilisé avec le koko. Ah, en fait, indique la position N1 de N2. En vrai, ça se comprend, mais ouais. Et en plus, c'est encore à la T-forme dans les exemples. Donc, voilà. Ça sera peut-être. Voilà. On est bon pour. La leçon 15. Ouh. Pas la T-forme, quoi. Il y a la T-forme mo, il y a la T-forme wa. Je vois. Je même dire que, en fait, t'as bah, ces verbes-là en mode. Un peu en mode Super Saiyan, ils ont des formes différentes et tout. C'est rigolo. Ou un peu des mechas.
Alors la prochaine fois ce sera leçon 16. Et la leçon 16, donc il y a encore pas mal de verbes. Un peu de d'adjectif. Il y a du vocat du corps humain. Là, c'est pas mal. Et après, en vocabulaire de référence et information, c'est comment retirer de l'argent. Bon. On fera l'explication, mais c'est assez. Après, il y a toujours. Il y aura le vocabulaire, justement, de dépôt, versement, virement, retrait, enfin, les trucs différents. Après, je pense. Par ceux qui n'ont pas de carte bancaire. La plupart du temps, tu sais comment retirer de l'argent dans un distributeur. Si vous savez pas, je m'inquiète pour vous. Je sais qu'il y en a qui maintenant qui ne le font plus forcément parce qu'en fait ils sont tellement habitués à payer sur contact qu'ils en ont oublié leur code. C'est déjà arrivé à, à quelqu'un que je connais. Elle payait tellement en sans contact tout le temps qu'au bout d'un moment en fait bah t'as un montant limité, elle voulait acheter un truc ça voulait acheter un truc et bah ça avait plus son code. Faites attention. Et après en explication grammaticale ce sera sur comment relier plus de deux phrases. Ça je connais un petit peu. Ça, je connais bien. Je l'ai déjà fait. Ah, quoique. Moi, c'était deux actions en même temps. Exemple. Attends. Mizu o nomi nagara ramen o tabemasu. Je bois de l'eau en mangeant des ramen. Oui, c'est Nagala. Là, c'est deux actions en même temps. Et je crois que. Je sais pas si tu peux faire plus de deux actions, mais bon. Non, mais oui, enfin. Et là, c'est vraiment deux phrases qui. Donc, on verra ça la prochaine fois. Et bien.